Salut, c'est Yann, auteur du livre Apprendre à mixer pour devenir DJ. Et dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée par email récemment. C'était quelqu'un qui voulait savoir par où commencer dans la musique entre le mix sur platine et le live. Donc, le live, très rapidement, ce que c'est vous savez, c'est quand on joue en fait des, non pas des morceaux entiers, mais des boucles de 16 temps en temps réel. Donc, pas de panique, je vais y revenir dans un instant. Mais l'idée, c'est de vous donner un peu des clés, des pistes en fait sur, sur vraiment par où commencer en fait si vous posez la même question. Alors, en premier, on va voir les différences entre le mix et le live. Le mix sur platine, comme vous le savez sans doute, l'idée c'est d'enchaîner des morceaux l'un après l'autre. Donc c'est des morceaux généralement qui sont faits par des professionnels et qui sont déjà masterisés. Donc ils sont déjà, si vous voulez, toute la structure musicale est déjà prête, vous n'avez plus qu'à les enchaîner sur les bons passages au bon moment, mais vous n'avez rien à créer en temps réel. Pour les enchaîner comme il faut, vous devez caler le tempo en fait. Donc les enchaîner de manière à synchroniser le tempo sur la même vitesse de lecture entre les deux morceaux et aussi à synchroniser les boucles de 16 temps entre les deux morceaux pour pouvoir passer d'un morceau à l'autre de manière presque inaudible. Quand vous êtes en mix en fait, donc quand vous êtes en tant que DJ, votre travail en fait, votre travail technique, il va se jouer, donc en plus de caler les temps musicaux, ça va être de caler, de régler en fait les volumes. Les volumes, c'est à ça que sert la table de mixage, le rôle numéro 1 de la table de mixage pour le DJ, c'est de gérer des volumes. Donc les volumes avec les faders ou crossfaders, ça peut être le volume sur toutes les fréquences pour une voix ou pour l'autre. Et après, vous avez des potards donc pour les basses médium aiguës pour gérer les volumes des plages de fréquences séparément. Et enfin, pour le mix, vous pouvez complètement improviser si vous voulez, quand vous êtes devant votre public. Par exemple, vous pouvez jouer pendant un quart d'heure un style musical avec une certaine énergie. Et si vraiment vous voyez que ça ne va pas du tout, qu'il faut passer complètement à autre chose, voire un autre style musical, bah, vous pouvez improviser comme ça. Tant que vous avez des morceaux en réserve, vous pouvez basculer de quelque chose, vers quelque chose qui pourquoi pas, n'a rien à voir. Voilà. Là, la différence avec le live parmi tout ça, c'est que donc le live, au lieu d'enchaîner des morceaux qui sont déjà prêts, vous enchaînez des boucles, donc généralement des boucles de 16 temps, on appelle ça aussi des patterns. Ça peut être sur 32 temps, ou généralement c'est 16 temps ce qui se fait de manière plus courante. L'idée, ça va être d'en superposer plusieurs. Chaque boucle, en fait, englobe un ou plusieurs instruments. Donc les instruments, ça va être les kicks, les snares, les hats par exemple de manière séparée ou des fois réunis, en plus les instruments de batterie réunis sur une piste. Sur une piste, il peut y avoir par exemple les lignes de basse, il peut y avoir tout ce qui est synthé, tout ce qui est mélodie, etc. etc. Donc tout ça, ça va être scindé, segmenté en plusieurs pistes et que vous allez pouvoir jouer indépendamment les unes des autres et donc les activer, les désactiver au fur et à mesure pour construire la structure musicale en temps réel. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un peu le live en fait, parce que la structure musicale, toute la démarche musicale est construite au fur et à mesure en temps réel par le liveur, par l'artiste, contrairement à un DJ qui va profiter de morceaux dont les structures musicales sont déjà préétablies. Dans le live, vous n'avez pas de calage tempo à faire, donc vous n'avez pas de synchronisation de tempo entre deux morceaux, puisque vos boucles sont déjà par défaut réglées sur le même tempo en fait, entre elles, que vous soyez sur logiciel ou sur une machine, sur une boîte à rythme par exemple. Donc l'idée c'est que tout par défaut est forcément déjà synchronisé. Comme je vous le disais, vous jouez des pistes d'instruments séparés, vous allez pouvoir affecter des effets de manière indépendante à telle ou telle piste. Donc là, c'est très très intéressant. Vous pouvez beaucoup plus jouer sur des effets quand vous faites du live que de faire des effets quand vous êtes en mix. Pourquoi ? Parce que quand vous mixez vos morceaux, quand vous allez appliquer un effet, par exemple un delay, un flanger, n'importe quoi, vous allez l'appliquer sur la piste entière, c'est-à-dire la seule piste en fait du morceau. Donc la piste du morceau, ça englobe tous les instruments. Donc si vous faites un delay, vous allez l'appliquer sur le kick, sur la basse, sur les synthés, sur tout ce qu'il y a en même temps. Donc du coup, c'est beaucoup plus délicat de placer un effet intelligemment quand vous êtes en mix, plutôt que quand vous êtes en live, parce que quand vous faites du live, vous pouvez appliquer le delay que sur la mélodie, par exemple, vous pouvez appliquer un beat repeat uniquement sur tout ce qui est éléments de batterie, par exemple, etc. Donc vous pouvez comme ça vraiment dissocier les effets pour les attribuer vraiment aux pistes que vous voulez.
Donc c'est un petit peu les grosses différences entre le mix sur platine et le live. Maintenant, les points communs entre le mix sur platine et le live. Dans les deux cas, vous devriez penser set dans son intégralité, dans sa globalité. Alors, pour le mix sur platine, vous pouvez très bien concevoir un set en avance, en prévoyant quel morceau vous allez jouer l'un après l'autre, dans quel ordre, vraiment parfaitement préétabli en avance, ou vous pouvez vous permettre d'avoir le côté un peu plus improvisation. Donc là, ça dépend des différents DJ, chacun a un peu sa philosophie là-dessus. Mais en live, en tout cas, vous devez aussi penser votre set dans son intégralité, puisque vous allez créer toutes les boucles, en fait, tous les patterns avec tous les instruments de votre set. Donc tout ça, il faut que ce soit préparé en avance pour pouvoir les jouer, pour avoir la possibilité de les jouer quand vous voulez. Dans les deux cas, vous pouvez jouer vos productions, vos propres productions. Donc quand vous faites du live, c'est ça le gros intérêt du live, c'est que vous jouez vos propres productions. Donc là, c'est vrai à un certain degré. C'est-à-dire que vous allez créer vos boucles, vos enchaînements, etc. Par contre, vous n'allez pas forcément créer les instruments à partir de zéro, ça dépend, il y a des gens qui font ça. Donc généralement, ce qu'on appelle la synthèse sonore, c'est quand on part de zéro, qu'on part juste d'un signal et qu'on crée par exemple un kick, on va créer le piano par exemple, etc., etc. à partir de rien. Ou alors on peut reprendre des samples, des instruments en fait qui ont été créés par d'autres personnes et pouvoir les intégrer comme ça. Donc l'avantage de faire ça, c'est de pouvoir travailler plus vite aussi. Et dans tous les cas, vous allez créer l'ensemble de votre set, ce sera vraiment une création qui vient de vous. Donc là, c'est très intéressant pour développer votre personnalité musicale, pour vraiment accentuer ce côté justement très personnel, très unique qui vous est propre. Donc ça, c'est l'avantage du live. Vous pouvez aussi faire ça d'une certaine manière en mix, tout simplement en créant vos morceaux et en jouant vos propres morceaux. Donc ça, c'est ce que je fais depuis quelques années. L'intérêt, encore une fois, c'est de pouvoir vous démarquer de votre DJ en jouant vos propres compos et en vous exprimant comme ça de manière complètement unique. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt pour un DJ, DJ producteur, en fait, l'intérêt de... Il y a vraiment un gros potentiel, en fait, un gros intérêt, si vous voulez, à associer la MAO, donc la production musicale, au DJing traditionnel. Il y a plein de... Vous pouvez faire énormément de choses là-dessus, j'en parle souvent parce que c'est vraiment... Il y a vraiment pas mal de choses à exploiter. Vous pouvez créer des morceaux sur mesure pour votre set, créer des intros sur mesure pour une prestation, par exemple, vous pouvez créer une intro qui s'adapte parfaitement au début du premier morceau que vous allez jouer dans votre set. Vous pouvez faire énormément de choses comme ça. Vous pouvez rajouter, vous pouvez créer vous-même juste des boucles, par exemple, les intégrer dans vos sets DJ, etc. etc. Vous pouvez remixer aussi des morceaux déjà existants. Il y a un potentiel qui est vraiment énorme là-dessus. Si ça vous intéresse d'en savoir plus là-dessus, j'en parle dans le livre « Apprendre à mixer pour devenir DJ ». Donc il y a un chapitre qui est dédié au fait d'associer la production musicale au DJing traditionnel pour exploiter vraiment tout ce potentiel. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. Là, pour accéder au livre, vous avez un lien en haut à droite de la vidéo. Là, vous avez un i avec une espèce d'icône de i, où si vous cliquez dessus, vous allez voir une image. Et en cliquant dessus, vous allez arriver sur la page de présentation du livre. Le livre Apprendre à mixer pour devenir DJ, et donc c'est un livre qui condense un peu plus de 12 années de passion que j'ai eue pour le mix et pour la production musicale. Et donc j'ai divisé ce livre qui fait un peu plus de 400 pages, il est segmenté en 7 chapitres, et donc il y a le dernier chapitre qui est dédié vraiment au DJing associé à la production musicale pour aller beaucoup plus loin. Et enfin, dans les deux cas, que ce soit pour le live ou pour le mix sur platine, vous pouvez fonctionner soit avec un logiciel et un contrôleur USB. Donc le logiciel, ça peut être, si vous êtes en mix, ça peut être Serato, ça peut être Traktor ou Virtual DJ ou autre, avec un contrôleur USB qui peut avoir des jump wheels par exemple pour qu'il y ait des tempos, ou alors un contrôleur qui inclut un mixeur de voix ou de 4 voix, etc. etc. Mais si vous êtes sur live, c'est pareil, vous pouvez utiliser un logiciel. Alors typiquement, il y a Ableton Live qui fonctionne très très bien, qui est sans doute le meilleur pour cette application. Vous pouvez éventuellement faire du live avec FL Studio. Donc techniquement, c'est possible, mais c'est pas forcément ce qui est plus recommandé pour du live. Mais c'est possible de faire donc, comme ça avec un logiciel et en contrôleur. Vous pouvez avoir différents types de contrôleurs pour faire du live. Ce qu'on appelle des... donc vous avez soit des claviers qui ressemblent un peu à des synthés, donc des claviers comme ça. Vous avez des contrôleurs avec des faders, des potards, avec pas mal de pads en fait pour
déclencher vos séquences. Donc là, il y a pas mal de choses qui se font là-dessus. Mais dans les deux cas, vous pouvez fonctionner sur le logiciel ou sur matériel hardware, donc matériel en dur. Donc si vous êtes sur mix, si vous êtes DJ en mix, donc, ça va être des platines CD, des platines vinyle par exemple. Si vous êtes sur du live, ça peut être des machines comme des boîtes à rythme, table de mixage aussi, des synthétiseurs, etc. Et donc en fait, troisième partie de cette vidéo, si vous démarrez complètement de zéro en musique et que vous posez la question, est-ce que vous devriez plutôt vous investir dans du live ou dans du DJing traditionnel entre guillemets, quelques éléments de réponse. Si vous êtes extrêmement attiré par le fait de produire vos propres compos, là vous pouvez vous orienter tout de suite sur du live. Si au contraire ça vous crée vos propres morceaux, vos propres productions, ça ne vous attire pas plus que ça, je vous conseille de partir sur du mix traditionnel. L'intérêt de partir sur du mix, c'est que dès le début, vous allez jouer des morceaux qui sont faits par des pros et qui sont masterisés par des professionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que niveau création, niveau musicalité, niveau structure musicale, tout ça, ce sera propre, ce sera nickel, vous n'aurez rien à vous reprocher entre guillemets là-dessus. Et en termes de mastering, ça veut dire que vos morceaux vont très bien sonner sur différents systèmes, hi-fi, sono, etc. Donc vous n'aurez pas non plus à vous poser de questions là-dessus. Quand vous apprendrez les bases du mix, vous aurez juste à apprendre le calage tempo, enchaîner vos titres et bien choisir vos titres. Donc vraiment les fondamentaux. Mais même si vous enchaînez pas très très bien vos titres, au moins les titres que vous allez jouer, ils sont bons et ils seront professionnels. Donc vous partez pas vraiment de zéro, quoi. Vous partez vraiment avec quelque chose de solide, avec une bonne base en fait. Donc là, ce que vous aurez à faire, c'est donc enchaîner les bons morceaux et donc gérer leur volume, et c'est à peu près tout, quoi, pour mixer. Par contre, si vous partez sur du live, là vous devez faire de la création à partir de zéro. Donc ça veut dire que vous devez créer vos patterns, donc vos boucles de sextant, récupérer ou apprendre à créer des instruments à partir de zéro. Vous devez apprendre comment fonctionnent bien les structures musicales, comment gérer l'énergie, de manière plus précise pour pouvoir en tirer quelque chose et faire quelque chose de présentable à un public en fait. Donc c'est-à-dire que vous aurez quand même pas mal de boulot avant d'arriver à avoir quelque chose qui soit, on va dire, entre guillemets, potable en live, contrairement au mix où là vous reprenez des morceaux professionnels. Et pareil pour ce qui est du mastering, là c'est énormément de connaissances et de techniques à appliquer que vous pouvez appliquer en MAO, c'est-à-dire en MAO en live, mais pareil, il faut y passer beaucoup de temps pour avoir un bon résultat. Alors que si vous prenez des morceaux faits par des professionnels, ils sont masterisés proprement et vous êtes sûr qu'ils vont bien sonner. Donc là, à vous de voir si vous êtes, si vous êtes un peu au même plan entre le mix et le live et que vous ne savez pas trop par où commencer, je vous recommande plutôt de commencer par le mix DJ. À mon sens, c'est ce qui me paraît quand même le plus accessible pour pouvoir vous amuser assez rapidement et pourquoi pas dans un deuxième temps passer à la MAO en fait. Dans les deux cas, ce que je vous invite à faire, dans la mesure du possible, c'est d'essayer les deux. Si vous avez des potes par exemple qui mixent et des potes qui live, de leur demander pourquoi pas qu'ils vous montrent un petit peu les bases, comment on sert du matériel, comment ça fonctionne, comment eux s'y prennent pour enchaîner leurs morceaux ou enchaîner leurs boucles, comment s'ils font du live, comment ils s'y prennent pour créer leurs boucles, etc. etc. Et passer un peu de temps, pourquoi pas une semaine sur chaque, donc soit une semaine sur live, une semaine sur le mix. Et voyez ce qui vous fait le plus kiffer en fait. Est-ce que ce serait de jouer vos propres productions devant un public en gérant les pistes et les instruments un par un, ou est-ce que c'est plutôt de choisir des bons morceaux et de les enchaîner en tant que DJ? Et vraiment, là vous pouvez vous baser sur ce qui vous fait le plus kiffer, parce que votre passion, c'est ce qui sera sans doute le moteur le plus fort, le plus puissant pour vous faire avancer par la suite. Si vous choisissez ce qui vous fait le plus kiffer, le plus vibrer parmi ces deux disciplines, c'est ce qui va mieux vous aider par la suite à progresser plus rapidement et à vous investir davantage. Donc vraiment, suivez ce qui vous passionne le plus. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez la partager sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne. Vous avez donc là en bas à droite, vous avez un petit bouton rouge pour vous abonner. Il y aura d'autres vidéos comme ça qui vont arriver aussi. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez télécharger tout de suite le pack de bienvenue. Le pack de bienvenue, c'est un ensemble de ressources. Il y a des audios, il y a des,
des méthodes expliquées étape par étape, des PDF, etc. Pas mal de choses que j'ai compilées dans un pack comme ça, qui vous est accessible complètement gratuitement. Vous avez un lien donc juste en dessous de la vidéo là, si vous regardez sur la vidéo sur YouTube, vous avez un lien qui mène vers la page de présentation de ce pack de bienvenue. Si vous regardez cette vidéo sur le blog, vous avez un formulaire donc juste en dessous aussi de juste en dessous de cette vidéo, un formulaire avec un qui vous demande votre nom et votre prénom, votre nom et votre email pardon. Et donc en fait une fois que vous êtes inscrit, vous allez recevoir tout de suite un email avec l'accès à une première vidéo de ce pack de bienvenue, avec aussi accès à un guide qui fait plus de 30 pages pour vous aider à bien démarrer en ligne si vous êtes complètement débutant, avec le vocabulaire à connaître, comment câbler votre matériel, comment ne pas tomber dans l'erreur numéro 1 que font la majorité des DJ débutants. Il y a pas mal de choses comme ça. Et dans 2 jours, vous allez recevoir un deuxième email avec une autre vidéo et une autre source à télécharger. Donc encore une fois, il y a des audios, il y a une vidéo dans ce pack de bienvenue, une vidéo qui est très très importante, qui dure un peu plus d'une demi-heure, parce que c'est un gros chapitre, qui vous aide à vous dégager un maximum de temps libre chaque semaine en fait, dans votre planning hebdomadaire, pour pouvoir passer plus de temps aux platines et de fil en aiguille pouvoir progresser plus rapidement de semaine en semaine. Et puis vous avez pas mal d'autres choses, donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. Donc je vous retrouve tout de suite dans ce pack de bienvenue, et puis sinon je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Salut !